Hey, salut tout le monde, c'est Emo Ricard de Shaker. Ah salut, voilà, je sors du pipe, j'ai peaufiné mon indie, mec. Ah, trop bon, quoi. Toi, chez Dix ? Oh, ça va, bon, je sors d'une fracture du péroné, j'avais fait une espèce de kick-flip underflip complètement foiré. Ouais, carrément impressionnant. Ouais, ça va, nickel. Bah. Voilà, et aujourd'hui, on va tester Tony Hawk Pro Skater 3, un excellent jeu, peut-être un de mes préférés, je pense, sur PlayStation 2. Ouais. Voilà. Il a été, il est sorti en 2001, il a été développé par Neversoft et édité par Activision. Voilà, un très très bon jeu qu'on va redécouvrir avec vous. Donc là, écran de départ, on est dans un sketch shop avec Billy Bob qui est derrière en train de faire des allers-retours. Mais on peut aller chercher, on peut faire plein de trucs, se balader dans les vêtements. Ouais, on peut changer, voilà, des vraies marques. Un truc vraiment impressionnant, on peut pimper un peu son skater avec les vraies marques. Comme ça, les skateurs de l'époque étaient vraiment impressionnés, quoi. C'est ouf, trop vraiment cool. Ouais. On peut créer un skater femelle, il me semble. C'est le premier Tony Hawk qu'on peut créer un skater. Un skater femme, une skateuse, du coup. Une skateuse, du coup. On peut aussi créer un parc, ça c'est plutôt cool. Même si nos parcs étaient vraiment. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à faire un parc cool, mais bon. Ouais. Mais c'était vraiment pas mal de pouvoir faire son skatepark. J'avais un pote, il a fait hey, putain, j'ai fait mon skatepark, je vais te défoncer. Non, j'arrive. Bim, petit enchaîne. Ouais, bon, on va voir si c'était aussi bon que ça tout à l'heure. Donc, on va commencer avec le mode carrière. Donc, il y a pas mal de. C'est ma sauvegarde de l'époque, donc il y a pas mal de trucs qui sont terminés. Hein. On va choisir un skater, voilà. On va prendre Eric Coston parce que c'est un mec qui me plaît bien. Eric Coston, un des pionniers du skate moderne, hein, comme on peut dire. Niveau de jeu, voilà, donc niveau de jeu, bah, on a rien débloqué pour l'instant, donc il n'y a que le premier niveau qui est la fonderie. Donc c'est parti, on lance la fonderie. Alors t'as une sauvegarde avec tous les persos, mais t'as un niveau, t'as fait comment? Non, parce que en fait tu débloques les niveaux avec chaque personnage, tu dois les redébloquer à chaque fois. Parce que si tu te rappelles, t'as deux niveaux de jeu où tu vas me présenter un peu ça, ensuite t'as une compète. Et là, les compétitions sont par jour. Voilà, t'as différents modes. Donc t'as le niveau, donc là, ça c'est on va dire un peu le jeu de base en fait, où t'as faire tous les objectifs qui sont en train de te présenter là. Et ensuite t'as des niveaux qui sont un peu différents dans lesquels tu dois faire des scores pour une espèce de championnat en fait où tu fais 3 runs et puis tu prends le meilleur. Ouais, c'est une compète en gros. C'est tous les 3 niveaux là, les compètes, il me semble. Attends, je vais essayer de récupérer l'être skate quand même, parce qu'il faut bien faire quelques objectifs quand même. Ouais, comme dans tous les Tony Hawk, on récupère le mosquette. Ça c'est complètement l'objectif de base. J'ai récupéré un point de stat au passage sans le vouloir. Donc point de stat qui permettait de développer ton skater pour avoir une espèce de monstre à la fin qui faisait des slides infinis et c'était plutôt cool. Ah, j'ai loupé la lettre K aussi qui doit être quelque part, je sais pas. Il y a le E et le K. Le K, il est tout au début le K, c'est pas grave. Ah, on le voit là-bas. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme objectif à faire? Est-ce que j'ai fait le 50-50 sur la barre? Ça, je ne sais plus. 50, vas-y. Et essayer, est-ce que ça va le débloquer? Ils ont toujours réussi à faire des objectifs assez marrants à faire dans Tony Hawk. Genre par exemple dans le 2, moi c'est celui que je préférais du coup. Tu pouvais dans Venice Beach, tu devais faire des ollies par-dessus les clochards. Ouais, c'est vrai, je me souviens de ça, c'était plutôt cool. Ollie the Bump, je crois que ça fait. Avec les gaps, c'est un truc de base dans Tony Hawk, elle te donne des noms de gaps assez marrants. Ouais, tu rajoutes des points sur ton trick. Par exemple, là, Over the Pipe, tu rajoutes 2000 points. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objectif? Parce qu'on peut aller, si on veut voir les objectifs. Ouais, j'en ai déjà fait quelques-uns, tu vois, je vais essayer de faire le. Je peux rider sur le saut en fusion. Ouais, aussi. Alors il doit être au-dessus de moi, là, quelque part. J'ai essayé de le refaire tout à l'heure, j'ai. Ah, il est là. Ah, ouais, mais c'est galère. Attends. J'ai essayé. Et le Molden Operator est en donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est Homer Simpson qui s'est rendu. Quelle mise en scène. Ah, c'est là que je pourrais avoir un petit Homer Simpson là, au milieu de ça. Là, je pense que c'est. Un epic fail. Quand t'as fait pause, j'ai vu que tu pouvais éditer tes tricks, c'est-à-dire que tu peux. Ouais, tu peux en fait assigner à des touches des tricks différents. Voilà. Tu peux faire ton truc, genre si t'aimes pas par exemple faire un indie, tu peux mettre autre chose. Ouais, c'est surtout pour les tricks spéciaux aussi que c'est intéressant, tu vois, pour tout ce qui est wheeling et tout, tu peux avoir plus de points avec ça, donc c'est pas mal. En fait, il y a une barre là, on voit en haut à gauche, là elle est toute rouge, la mienne. En fait, c'est quand on fait des tricks, plus on avance et plus on fait des bons tricks, on a la barre qui se charge, et là on peut lancer du trick spécial là. Chaque perso a son trick, c'est assez impressionnant. Ouais, il y a pas mal de tricks différents, même des tricks inventés, on va le voir avec des personnages un peu fictifs. Ouais, donc là j'ai fini quelques objectifs. Normalement, si tout va bien, j'ai déverrouillé le niveau du Canada, donc Chavik, je vais te laisser. Ok, le Canada. Je sais plus combien de niveaux en tout, il y en a pas mal, il y a vraiment de quoi s'amuser. Ouais. Pour finir le jeu, à mon avis, avec un personnage, ça te prend, quand tu connais bien, ça te prend, on va dire, 2-3 heures, donc c'est assez rapide. Ouais. Après, quand tu commences et que tu galères à finir vraiment tous les trucs, bon bah là. Puis c'est des niveaux mythiques, hein. Ouais, il y en a qui sont vraiment tous géniaux, quoi. Changer de niveau, Voilà, tu vas au-dessus. Je sais pas si vous avez vu,
j'ai gagné des petits points de stats à la voilà, fin ouais, du niveau. Qui, ouais, c'est ça. Donc t'en as 5 à gagner par niveau. Dans les niveaux, dans les objectifs, t'as ça. T'as la cassette, on n'a pas parlé de la cassette. La cassette oui. qui te permet de débloquer des objectifs. Voilà, elle est là-haut. Bon, c'est... D'ailleurs, je sais pas si c'est en rapport, mais tu débloques les vidéos. C'est à chaque fois que tu gagnes avec un perso, tu débloques la vidéo de ton perso. Ouais, tu débloques aussi les vidéos parce que quand t'es dans les options au tout début, tu peux accéder à des vidéos, donc des vidéos de chute par exemple, des mecs de Neversoft, ça c'est assez marrant d'ailleurs. Ouais, et là qui sont les chutes, il y a un mec qui se brise complètement la cheville. C'est sérieux, j'arrive c'est pas. Mais... Ah, mais t'es mauvais en fait. Le tyran, il m'a donné. Ça va débloquer la langue du mec là à gauche là. Ouais. Ah oui, bien joué ça. Mais t'es super bon, Chavix. Mais oui. Voilà. Tu dis si tu veux que je le fasse. Hein. Mais non, c'est vrai que maintenant on peut plus prendre sa barre dans les mains. Ah et... ouais, c'est pas qu'on peut plus, c'est qu'avant on pouvait pas. Ah oui, on peut plus. Donc là, t'arrives pas à sauter sur le truc. Non, c'est vraiment pas très bon. Ouais, Eric Foster, je pense qu'on va prendre un qu'on va faire juste après, on va te humilier, je pense. Il arrive à taper des gens, comme lui. Vas-y, essaie de faire tomber. De... Mais en fait, si on arrive à sauter sur l'arbre qui est là-bas. C'est par là en fait, ce sera plus facile. Ouais, c'est ça, voilà. Ah ouais, donc là, t'en suffis le tyran. C'est pas ce qu'il fait, je crois que c'est juste un tyran qui envoie des boules de neige. Ouais. Donc c'est un tyran. Ouais. Il est méchant. Voilà. Oh, il est enseveli. Ça sent la traduction un peu moisie, c'est vrai. Ouais. Et là, dans ce niveau-là, t'as des objectifs. C'est impressionner des skateurs. Donc t'as des skateurs qui traînent aux 4 coins du parc. Et puis, si t'arrives à passer devant eux en faisant un petit trick, c'était un peu stylé, bah tu les impressionnes. Il y a un truc que je voulais dire, c'était Bam Margera aussi, tiens. Oui. C'était un des personnages, enfin pas trop parler des skateurs qui étaient présents dans le jeu. Bam Margera qui s'est fait côte. Enfin, moi, je l'ai connu grâce à ça, c'est ce qui m'a donné envie de connaître le skate, c'était tous les délires Jackass, Ikawa et tout qu'on connaît bien. Qui ont explosé à l'époque, on était en 2001, c'était vraiment l'effusion autour de ça. Ouais, c'est là où on commençait à bien kiffer là-dessus, où ça a créé une vague avec pas mal de gens qui les ont imités. Et une petite anecdote aussi, en 2001, c'était la période où il y avait eu les fameux attentats de New York et tout ça. En fait, le jeu est sorti juste après. Et il y a un niveau dans lequel je pense pas qu'on jouera, on n'aura pas le temps, qui est à l'aéroport. Bah si, mais justement, on va y aller tout de suite. Vous voulez qu'on y aille à l'aéroport ? Vas-y, on y va. On va regarder. Je vous raconte ma petite anecdote. On va aller se faire. Vas-y, raconte une anecdote pendant qu'on recharge le niveau. Ouais. Et donc, en fait, ils avaient, empêché le tyran de foutre le bordel, un truc comme ça. Ils avaient un truc avec des terroristes, en fait, dans l'aéroport. Très mal vu. C'était un peu pas très malin quand même. Donc ça, ils ont dû le retirer. À cette époque-là. Ouais, tu m'étonnes. Je pense qu'il y aurait eu quelques polémiques s'ils avaient laissé ce truc-là. Moi, je vais prendre. Vas-y, prends qui tu veux. Un petit personnage spécial, des petits clins d'œil. Tu veux jouer ? Ouais, tiens, je te laisse jouer. Donc, il y a l'officier Dick, avec lequel on peut jouer, que j'avais débloqué. T'as Dark Maul, t'as Wolverine aussi. Wolverine, je crois qu'il fait un trick où il peut planter ses griffes dans sa board. Enfin, bref. Sérieux ? Ils ont tous des tricks spéciaux, ces personnages-là. Ouais, ils avaient fait ça dans le 2. Non, enfin, je sais plus, non. Mais c'est vrai qu'ils ont des tricks. Par exemple, l'officier, il se met à. Il peut se mettre sur sa board. Enfin, c'est des trucs en rapport avec les officiers qui mangent des donuts. Enfin, ça, c'est un peu. La base. L'officier flemmard. Vous voulez qu'on se fasse l'aéroport ? Ouais, vas-y, fais l'aéroport. Ouais, on va aller. Bon, donc là, il y a pas en deux joueurs. C'était plutôt cool, ça d'ailleurs, jouer en écran splitté. Moi, j'ai passé des heures à jouer avec mes potes là-dessus. Parce qu'il y a énormément de modes. Ça qui est génial. Ouais, énormément. T'en as pas mal. T'en as 6-7, je pense, un truc comme ça. Et donc, t'as le roi de la session. Tu as une couronne. Tu dois la garder le plus longtemps possible. Bah, tiens, d'ailleurs, on va aller. On va prendre lequel on peut prendre. On va prendre Graffiti. Graffiti, c'est pas mal. Alors, Graffiti, ce mode-là, c'est. De faire des tricks, en fait t'as 2 minutes, chacun doit faire ses tricks et celui qui fait le plus gros trick sur un spot en fait et bah, il colore de sa couleur le spot et puis l'autre doit passer par dessus et faire un trick de plus de points tu vois et là il recolore le spot avec ses points. Le délire c'était de réussir à faire un trick s'il s'arrêtait pas, tu prends toute la map, donc là on voit que t'as mis un peu de rouge. Là si Chavix vient sur les mêmes spots que toi, faut qu'il arrive à faire mieux que toi pour coloriser et celui à la fin qui a le plus de spots de sa couleur à gagner. Ouais, donc t'avais ce mode là, t'avais le mode aussi, c'était le mode skate, donc bien connu de tous les skateurs, c'est en gros tu dois faire un trick, et puis le mec doit faire le même que toi derrière, et s'il arrive il prend les points, là c'est un peu différent, c'est celui qui fait le plus de points en fait finalement à chaque fois, récupère une lettre, et celui là ils appellent ça le pendu je crois. Là on voit que Wolverine s'est fait voler, a volé ta marque, ouais voilà, Wolverine t'a piqué une marque parce qu'il a fait un trick plus puissant que toi sur le spot. Donc là c'est 2 minutes assez intenses quand même, hein, où le but c'est d'aller dans... De prendre le plus d'espace sur la map et d'enchaîner. Ouais, ce qui était dur c'était de réussir à aller dans un coin où ton pote était allé et toi t'étais pas encore passé. Bah là, ouais, là où c'est intéressant c'est quand tu passes... En fait, ce qui est le mieux je pense, c'est le mec fait des trucs, tu passes derrière lui ou tu fais le même chemin et tu lui piques tout, tu vois. Là c'est là où tu deviens le plus balèze, et là tu lui mets à la grosse misère et tu peux l'humilier. Ou alors trouver un endroit où il n'y a vraiment où personne n'est allé, ouais, et puis là tu t'appelles bien Trix. Donc toi Vivien, t'es Chavix, t'es le bleu. Non, je suis Dark Maul. Alors toi t'es à 14, donc Pierre, il va falloir que tu remontes un peu. Oh la vache, elle vibre à fond, c'est pas. Oh,
C'est moi en bleu? Je sais plus. Non, bah, t'es en bleu, t'as 16 marques, 17 marques et Pierre n'en a que 9. Ah, non, c'est moi, j'ai les 17 des marques. Ah, mais qui est Chavix? Qui est Dark Maul et qui est. Qui joue Chavix dans le jeu? N'essayez pas de me tromper. En fait, je suis en train de faire des trucs depuis tout à l'heure en bas. J'aimerais souligner un donc, truc. Donc, Chavix, c'est toi qui te fais défoncer en fait. Vas-y, souligne un truc sympa. Ouais. Par rapport à Skate, celui qui est sorti sur PS3, Xbox et tout, là, ouais. En mode multi, il n'y avait pas la possibilité de jouer en free Skate. Free Skate. Dans Tony Hawk? Non, dans Skate. Ah, on pouvait pas faire du free Skate. C'est bien dommage parce qu'on aimait bien. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt cool. Entre potes, tu te balades dans la ville, tu fais. Ouais, tu sans faire grand chose, un peu à la GTA finalement, voilà. En mode open world, un peu comme ça, ouais. D'ailleurs, c'était Skate, c'est le seul vrai gros concurrent qu'il y a eu à Tony Hawk. Même si c'était finalement les deux, c'était du skate pour les deux. Tiens, je vais prendre la main parce que ça a l'air pas très très bon. Ah, mais à partir du moment où il y a Skate qui est sorti, il y a vraiment eu une phase de transition quoi. Tony Hawk, ça a changé. Skate 2, Skate 3, ils étaient complètement dingues. Et c'était vachement plus réaliste où il fallait faire des tricks beaucoup plus logiques et faisables quoi. Parce que bah, clairement, dans Tony Hawk, tu fais des trucs et qui durent 2 minutes, c'est clairement pas faisable. Tu fais un ollie, tu atterris sur un building, faire un slide sur accroché par un cheveu, un hélicoptère. Voilà, enfin, sur un fil électrique. Donc là, il y a combien? 2-0. J'essaie de faire preuve de tout mon talent et de. Ouais, c'est pas évident quand même. Ouais. Bah, en fait, là, t'es au même endroit que moi, là, Pierre, t'es derrière moi, je sais même pas où t'es en fait. Parce que si tu me tapes tous mes. Mes spots, c'est pas terrible. 7 à 3, franchement ça va, ça se passe bien. Et en fait, si tu fais un trick en continu, je crois que c'est tous les spots sur lesquels t'es passé, ils récupèrent la couleur. Donc le but, c'est vraiment d'en faire le maximum. C'est de faire un gros combo pour tous tes trucs que t'as fait. Ouais. Limite, en faire un seul, tu vois. Tu parcours toute la map avec un seul combo. C'est d'ailleurs, dans Anthony Hawk 3, la possibilité de faire des combos était plus facile. Enfin, elle a été, que sur, par rapport auquel? Au 1 et 2, par exemple, en sortant d'un. Ah oui, parce qu'il y a le, voilà, le revert. Voilà. Ça, on n'a pas parlé. Le revert, c'est un truc. Dans le gameplay de ce jeu-là, c'est super important. C'est qu'en fait, là, je vais le faire. Quand on sort, bam, on fait un revert et le tu peux enchaîner sur le trick continue. Voilà, tu peux enchaîner sur tout ce que tu veux derrière. En fait. Ouais. Ça veut dire que ton trick s'arrête jamais finalement. À l'époque, on s'arrêtait pas. Hein. Ouais, non, tu faisais des vrais combos. C'était fou. Hein. Ah ouais. Ça c'était plutôt cool. Ouais, il y avait vraiment besoin de pas mal de skills quand même dans ce jeu-là. Parce que t'avais dans le mode carrière, en fait, au début, tu commences à faire des petits 20 000 points, donc c'est assez bidon. Mais après, t'arrives sur des trucs où c'est beaucoup plus chaud. Tu dois faire des 600 000 dans le paquebot qui est le dernier niveau. Ouais, ça c'est vraiment pas facile. Hein. Bon après si t'es vraiment chaud tu le tends un seul coup mais là tu me piques mes trucs Pierre, tu commences à me gaver un peu. Merde, je fais n'importe quoi moi aussi. 15-14, ouais c'est tendu 15-14, putain il faut que je fasse un truc. Mais là où je suis il y a rien, il y a aucun truc et aucun. Mais si c'était pas doué c'est tout, regarde, t'as toute la barre. 17-16, oh putain il me reste plus que. Prends un bleu comme ça il perd un truc. Ah je sais pas. Oh non merde. Allez, putain je suis trop nul. Et ouais c'est enfin moi c'était le Tony Hawk 2 toujours. C'est le jeu qui m'a fait commencer le skate. Enfin, j'ai fait du skate étant jeune. 19-16. Oh je suis pas pour vous. Moi, c'est carrément ça qui m'a fait commencer le skate, même si bon, bah, depuis, on a dû arrêter finalement. Ouais. Mais c'est une bonne période quand même, on s'était bien marré. Ouais. Je constate que j'étais pas très 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 bon. C'était plutôt roller, il me semble. Ouais, c'était un peu. Voilà, bon, bah Tony Hawk 3, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Un excellent jeu. Vraiment. Il faut aller le retrouver sur tablette, sur mobile. On peut télécharger, n'hésitez pas, relancez-vous dedans parce que bah. On prend toujours beaucoup de plaisir à jouer avec ses potes. Nous on y rejoue un peu hors caméra, on se marre vraiment bien. Ouais. Et voilà, donc qu'il y a un jeu qui nous a tous marqué finalement, un très très bon jeu de la PS. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine. À bientôt et puis ça va faire un beau ride et puis. Faites de beaux runs et à la prochaine. La wave, nous. Allez, ciao les gars.